Hi, I'm Yukine Lefebvre. I'm a visual artist based in Belgium. I first studied photography at the Graphic Research School in Brussels. Then I went to Switzerland and continued studying photography at the School of Applied Arts in Vevey. After that, I went back to Belgium and got a master's degree in visual arts at CASC, School of Arts in Ghent. It was during my master that I worked on The Land of Promises, which is currently showed at the Pennings Foundation. En 1994, six familles belges sont parties en Chine pour adopter des filles. Celles-ci étaient âgées entre 6 mois et 3 ans. Elles ont toutes été adoptées au même orphelinat et au même moment. Je suis l'une d'elles. Je suis née dans la province du Hunan en 1993 et j'ai été adoptée à l'âge de 8 mois. Selon les documents officiels dont je dispose, je serais restée avec ma famille biologique pendant un mois avant d'être abandonnée. J'aurais été trouvée dans un quartier de la ville de Yuyang par un habitant, qui m'aurait ensuite déposée au commissariat le plus proche. Les autorités m'ont remise à l'orphelinat de la ville et auraient recherché mes parents pendant 4 mois. J'aurais vécu à l'orphelinat pendant 7 mois jusqu'à mon adoption. Mes parents biologiques auraient laissé un mot dans mes vêtements, indiquant uniquement ma date de naissance. Il n'y avait pas de nom. L'orphelinat m'a appelée Yutsin, Yue venant du nom de la ville Yuyang. Mes parents adoptifs ont décidé de garder ce nom en le simplifiant, ce qui a donné Yukin. Ma relation avec mon pays d'origine a été difficile et conflictuelle pendant très longtemps. Je ne voulais rien connaître de ce pays qui m'avait rejeté. Je trouvais légitime de le rejeter en retour, de refuser d'en apprendre la langue et surtout d'y retourner. À l'âge de 23 ans, mon rapport avec la Chine a commencé à évoluer. Je me suis sentie prête à y retourner pour la première fois de ma vie. Fin octobre 2017, je suis partie en Chine pour un voyage de 3 semaines. J'y suis allée avec mon père car pour moi, cela faisait pleinement sens. Nous avons principalement visité la province du Hunan, d'où je viens. Nous sommes retournés quelques jours dans la ville de Yuyang. Nous avons pu visiter l'orphelinat et consulter mon dossier. Notre guide nous a proposé d'aller au commissariat de police où j'aurais été déposée, et par la même occasion, de découvrir le quartier où j'aurais été trouvée. Dans la campagne, nous avons trouvé plusieurs traces de la propagande mise en place par le gouvernement chinois afin de promouvoir la politique de l'enfant unique. Sur cette image, il est écrit « Si vous obéissez à la politique de contrôle des naissances, vous serez respecté. Si vous désobéissez, honte à vous. » Ce premier voyage de retour m'a donné l'envie de faire des recherches sur la politique de contrôle des naissances en Chine. De chercher à comprendre pourquoi cette politique a été établie et quelles en ont été les conséquences. Mon histoire est une des très nombreuses conséquences de la politique de l'enfant unique. Au printemps 2019, je suis repartie en Chine pour un voyage de 2 mois. Cette fois, j'étais seule. Je suis allée à Beijing, à Suzhou, dans la province du Yunnan, principalement dans la campagne, et à Nanjing. Le sujet de la politique chinoise de limitation des naissances étant très vaste, j'ai essayé d'en avoir une vue d'ensemble. Au total, cela fait 4 ans que je travaille sur ce projet. The Land of Promises porte sur la politique de contrôle des naissances en Chine, en particulier la politique de l'enfant unique, qui a été établie en 1979 et a pris fin en 2015, ainsi que ses nombreuses conséquences qui touchent actuellement le pays et perdureront durablement dans le futur. C'est aussi un travail personnel. Cela raconte l'histoire de ses parents, partis presque au bout du monde pour adopter un enfant. De ses 5 autres filles adoptées au même orphelinat et en même temps que moi. Et de mon expérience en particulier. Je n'ai aucun souvenir direct de ce qui a précédé mon adoption, ni même de la rencontre entre les parents et les enfants à l'orphelinat. Ma mémoire de cet événement est médiée par les histoires que mon père et les autres parents m'ont racontées. Les photographies et vidéos qu'ils ont réalisées et les documents officiels en ma possession. Au travers d'archives datant de 1994,
de photographies réalisées par moi-même durant mes deux voyages en Chine en 2017 et 2019, de recherches faites à partir de textes écrits par des experts sur la politique de limitation des naissances et de démographes, ainsi que de témoignages des personnes que j'ai rencontrées en Chine, ce travail traite de la découverte de mon pays d'origine et d'une tentative de comprendre ce qui a causé l'abandon et l'adoption transraciale et internationale de milliers de filles chinoises. This work includes also a video and a book. There will be a trade version of the book, which will be published by the Eriske Connection based in the Netherlands. The release is scheduled for May-June of this year. I would like to thank the Bennings Foundation and its team for having selected my work and showing it. Thank you for having listened to me and enjoy your visit.